Et salut à tous, c'est Tuto Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour ma chaîne, pour vous montrer un tuto pour vous montrer comment installer le multi d'Eurotrack. Voilà, je vais vous ouvrir une page internet. Allez, vous allez sur test. Donc multi OTS 2, le premier en virtuel. Après vous mettez votre mail si vous avez déjà un compte, ou si vous avez déjà un compte. Sinon vous faites s'inscrire. Il faut avoir Steam et le jeu dans Steam, sinon ça ne marchera pas. Donc après vous rentrez votre connectez à votre compte. Après vous faites télécharger la dernière version, client du jeu, ok, ça se télécharge. J'ai juste à voir. Juste pour ça. Ok. Normal. Voilà. Bon, voilà. Donc, il a été téléchargé. Excusez-moi, en fait, je me suis fait bannir. Je vais savoir pourquoi. Donc, vous faites install. Donc, on va fermer ça. Donc, install, exécuter. Oui. Ok. Next. Next. Donc là, ça va être bon, tout sera bon. Donc là, par contre, là vous aurez rien. Donc il faut aller dans Boys, disque local, program file, Steam apps, common et Eurotrack 2. Ok, next, next. Ça, si vous voulez créer une icône sur le bureau, vous voulez. Next et install. What? Oui, oui. Vous voyez, oui. Next. Bon, moi je vais faire. S'il te plaît. S'il te plaît. Non! Attendez, je suis malade. Ok, ok, donc là, ok, donc si ça vous a installé, après ça, donc après vous faites ça, c'est pour lancer le jeu, vous faites finish, et ça va vous lancer le jeu en multi. Donc après, attendez. Je vais lancer. Après, ce sera sur mon échappe. Attendez, je fais juste un truc. Allez, où, coucou? Merci. Vous voyez le jeu. Quelques minutes, ça va. Ok, quelques minutes. Donc, vous lancez le truc. Échappe.
Donc, après là, il n'y aura rien. Là, il n'y aura rien. Et là non plus. Donc, vous allez arriver exactement, vous serez comme ça. Donc là, pour l'adresse où vous êtes connecté pour télécharger le multijoueur, vous inscrivez là. Donc, moi, ce sera après 17. Alors, quand je vais faire le rebase, eh ben, tout simplement, ça ne marche pas. Donc, il faut faire Alt 3. Non, Alt 4. Non. Donc, en fait, c'est... Ah. Ok. Donc, en fait, vous appuyez sur Alt. Vous restez appuyé sur Alt. Vous appuyez sur votre verre numérique. Vous mettez toujours en appuyant Alt 64. Vous lâchez Alt et ça vous fait la base. Et vous mettez la fin de votre adresse. Après votre password que vous avez utilisé pour vous connecter et pour télécharger aussi. Nine, vous mettez le serveur que vous voulez, parce que je suis souvent sur le web. Vous mettez play, votre partie. Donc là, vous voyez que ça charge. Allez, mon papa. Ah, ça va faire mon journée, il est fatigué. Voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez conduire. Connexion avec la Michelle, et là, vous voyez que. Et ça, c'est super. Et il fait très beau. Il fait super, super beau aujourd'hui. C'est vraiment. Waouh! Allez, on va s'arrêter là. Sur Steam, c'est du tout 169.13. Donc, je vous mettrai dans la description. Si vous voulez, vous pouvez m'ajouter sur Skype, je vous accepterai. Twitter aussi, je mettrai tout dans la description. Voilà, n'hésitez pas à m'ajouter, surtout de. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre un like, en fait ce que vous voulez après, je préfère, mais allez faites ce que vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Tito Gaming.